Alors qu'une partie de la France est en vacances, Jacques Chirac, lui, s'immerge dans l'entreprise. Petite visite de terrain dans une PME de Châtellerault. En présence d'Edith Cresson, maire de la ville, rencontre avec une vingtaine de patrons de petites et moyennes entreprises, objet d'un intérêt tout particulier de la part du chef de l'État. La croissance, c'est nous qui la faisons. C'est par notre travail, c'est par notre comportement, c'est par notre optimisme, c'est par notre aptitude à surmonter les difficultés qu'on fait la croissance pour une très large part. Et elle se fait notamment, je dirais, pour une, là aussi, très large part au sein des petites et moyennes entreprises. Un coup de projecteur donc sur des entreprises qui peuvent jouer un rôle moteur dans la lutte pour l'emploi. Un coup d'accélérateur aussi, car le plan Juppé, destiné à faciliter la vie et le fonctionnement de ces PME-PMI, a rencontré quelques blocages. Il faut pousser un peu pour que tout le monde aille dans le sens que les PME souhaitent, c'est-à-dire le renforcement des fonds propres, simplification, plus d'innovation et faciliter les exportations, parce que c'est vraiment ce qui nous semble être la voie pour développer les emplois. Ces préoccupations des chefs d'entreprise, le président a promis d'en tenir compte. Demain, Jacques Chirac présidera lui-même et pour la première fois le comité de pilotage du plan PME-PMI. Une façon pour lui de conserver l'initiative au moment où le chômage continue d'augmenter et où les Français sont particulièrement moroses.